étudiants aient manifesté ce mercredi contre certains changements apportés par le nouveau comité de gestion. On fera tout à l'heure le point avec nos reporters qui étaient sur place. Dialogue national, le Saint-Siège encourage les acteurs politiques angolais à trouver des solutions consensuelles face à la situation actuelle au pays. Appel intervenu à l'occasion des échanges entre le ministre des Affaires étrangères et le nonce apostolique. Et puis lutte contre les violences sexuelles, la République démocratique du Congo a franchi un pas considérable et s'est vu octroyer un prix dénommé Better World Award. Ce prix a été officiellement présenté aux autorités congolaises en présence des responsables des organisations internationales. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Soulèvement à l'Institut supérieur de commerce, on en parle dans ce journal. Les étudiants ont manifesté ce mercredi contre certains changements apportés par le nouveau comité de gestion, notamment le système d'anonymat qui combat la corruption, le numéro matricule qui a permis la maîtrise de l'effectif des étudiants. Le ministre de l'ESU, Théophile Bemba, s'est rendu sur place pour calmer la situation. Il a promis avec le nouveau comité de gestion des solutions en urgence. Ceci n'est pas une manifestation politique, moins encore sportive. Ce sont les étudiants de l'Institut supérieur des commerces qui protestent contre le traitement dont ils sont victimes. Ils les disent à notre micro. Dans 3 semaines, tu as la session. Comment tu as préparé en haut? Tu as préparé en haut comment? Tu as déclaré devant DG. DG, tu as dit que 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 tu as ministère que tu as dit que tu as dit. Pour eux, la solution doit venir du ministre de l'ESU, Théophile Bemba Foundou. Ils sont allés le prendre à son cabinet. Le ministre leur a promis des solutions en toute urgence. Maintenant, le comité de gestion vient de prendre l'engagement d'afficher les listes de tous les étudiants qui sont en règle, de voir cette question des cotes que les étudiants ne retrouvent pas et de régler aussi le problème, il y avait les cotes, mais aussi le problème d'immatriculation. Donc je crois que c'est le problème, ils ont promis de le régler au plus tard 16 heures. Les étudiants, certainement, ils se sont montrés impatients, ils ont réagi, ils se sont sentis atteints. Mais je crois qu'ils ont compris. Ils sont venus me chercher au ministère. Nous sommes allés à l'ISC. Nous leur avons parlé. Et dans les heures qui viennent, ce qui pose problème ne posera plus problème. Ces nouveaux comités de gestion reconnaît-il les revendications des étudiants? Nous nous sommes rendus au bureau du directeur général. Malheureusement, l'interview était sans caméra. Selon les explications du directeur général, les étudiants inscrits avant leur arrivée, plus de 2000, n'ont pas été signalés. Moins encore, leurs dossiers n'ont pas été remis. En outre, l'ancien comité a attribué un même numéro matricule à cet étudiant. Puis enfin, le système d'anonymat qui combat les antivaleurs, précisément la corruption. Bangala promet de s'y mettre pour résoudre le problème en apportant de modifications aux erreurs du passé. On va suivre à présent la réaction de Gloire Chouga, étudiant en troisième année informatique. Il est porte-parole de la coordination estudiantine à l'Institut supérieur de commerce. Il nous donne ici sa version des faits. C'est juste affirmer aux amis étudiants et à tout le monde qui nous suit maintenant que l'ISC est un institut en pleine réforme. Donc on est en train de réformer plusieurs systèmes en étant savoir que le système d'anonymat, c'est un nouveau système qu'on a instauré. Et c'est la première année. Les comités de gestion sont venus courant de l'année. Donc comprenez un peu, on est tous comme des utilisateurs. On ne sait pas qui font les concepteurs pour arriver à donner des résultats brefs, sûrs. Et par rapport à cela, quand les comités de gestion sont arrivés, ils devaient d'abord faire ce qu'on appelle l'étude du milieu, l'étude de lieu, connaître le nombre effectif des étudiants. C'est alors qu'ils ont constaté qu'il y avait des irrégularités au niveau des inscriptions. Et pour ne pas retarder le calendrier académique, le comité de gestion a jugé bon d'abord de commencer à afficher les réguliers sur la liste définitive des étudiants et par après traiter le cas des irrégularités. Et par panique, les étudiants ont juste paniqué en voyant cette première liste. Ils ont paniqué et d'autres, je dirais même d'autres, ont réagi par complaisance. Et j'affirme même qu'il y a eu des intrus au sein de l'Institut qui sont contre la réforme et la modernité du pays, comme le dit le chef de l'État. Et tout est redevenu à la normale? Oui, oui.
J'affirme maintenant, malgré des petites choses qui se sont passées pas bien, mais tout est redevenu dans le calme. Dans l'actualité également, l'accord cadre du statut juridique de l'Église signé récemment entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo ainsi que le dialogue national inclusif ont été au centre des échanges entre le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale Raymond Tshibanda et le nonce apostolique. Le Saint-Siège encourage les acteurs politiques congolais à trouver des solutions consensuelles face à la situation actuelle au pays. Nadin Foutila. La paix au Congo Kinshasa fait partie des priorités du Saint-Siège. C'est dans cette perspective qu'est l'annonce apostolique. En République démocratique du Congo, Luis Mariano a échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. Luis Mariano encourage les acteurs politiques congolais à une solution consensuelle pour une issue favorable du processus électoral. Le Saint-Siège a appuyé toujours la solution consensuelle. Et on comprend les problèmes. Nous avons appuyé l'initiative de l'Union africaine, et en particulier de la gestion de Edem Concho. Moi-même, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai rencontré les principales autorités des différents partis pour expliquer la position de Saint-Siège, qui est toujours en faveur d'une solution consensuelle. Les deux personnalités ont également évoqué le récent accord signé entre la RDC et le Saint-Siège au Vatican. Et la République démocratique du Congo a considéré utile cette fixation d'un cadre général juridique pour la coopération entre l'État et l'Église. On ne substitue pas l'État, mais on collabore avec l'État. Vatican souhaite voir le Parlement congolais ratifier cet accord. Peu avant, Raymond Tshibanda s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Il a été question de la coopération entre les deux pays. Dialogue politique national, on en parle encore cette fois-ci, c'est la Convention pour la République et la démocratie qui intensifie la sensibilisation dans la nouvelle province du Kwango. Son président national s'était rendu le week-end dernier à Bukangalonzo, puis au pont Kwango, où il a lancé un appel au soutien à ce forum convoqué par le président de la République, Joseph Kabila. Nous sommes au pont Kwango, dans la nouvelle province du Kwango, où le président national de la Convention pour la République et la démocratie a fait l'objet d'un accueil chaleureux. Au pont Kwango à Bukangalonzo, Jonathan Bialosuka n'a qu'un seul message, la sensibilisation au dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Nous avons conscientisé la population du Kwango à soutenir le chef de l'État dans ce dialogue. Vous avez vous-même suivi la réaction des Congolaises et des Congolais. Les Congolais, c'est un peuple pacifique. Ils ne veulent pas de la violence et de la guerre. Les Congolais soutiennent le chef de l'État dans le dialogue afin que le processus électoral se passe dans la paix et dans la crédibilité. Accompagné de Mathilde Muzinga, ministre provincial de la fonction publique, genre, famille et enfants de la province du Kwango, la délégation de ce parti de la majorité présidentielle a profité de l'occasion pour redynamiser leur parti. À Bukangalonzo, l'élu de la Tchangwa a remis au nom de l'autorité morale du parti Mboso Onkodi Mpwanga des matelas, des lits pour hôpital secondaire de Bukangalonzo et les jeunes ont reçu des équipements sportifs. Manifestation grandiose de l'UDECO, l'ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, vient d'être investi à la tête du parti. Il succède ainsi à Baudouin Banzamoukalaï, décédé en mai dernier. Jean-Claude Massangou s'inscrit dans la continuité au sein de la majorité présidentielle et remercie profondément le président de la République, Joseph Kabila. C'est un grand retour sur la scène politique à un moment particulier de l'histoire de la RDC. À la tête d'une formation politique qui a 6 députés nationaux, 2 sénateurs, 4 ministres provinciaux et un ministre au gouvernement central, l'enjeu est de taille. Je tiens à remercier vivement la base du parti
réélu à l'unanimité comme leur président national. À son investiture, Massangou Moulongo promet d'accroître le nombre d'élus UDECO aux échéances électorales prochaines. Après Banza Moukalaï, nous sommes rassurés avec l'avènement de Massangou que l'UDECO va rester demeurer un grand membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Nous sommes fiers d'avoir comme successeur à notre feu président Banza, le président Jean-Claude Massangou. Nous savons qu'il va continuer avec l'idéologie de son prédécesseur. Et comme vous le savez, le successeur est toujours appelé à faire mieux que son prédécesseur. Concernant le processus électoral et la situation de l'attente du dialogue, en lieu et place du chaos, Massangou Moulongo préfère la stabilité. Au lieu de la guerre, la paix. Il s'est dit soucié de privilégier la paix et la stabilité durable pour un avenir meilleur de la RDC. On va parler sondage d'appréciation et d'opinion dans ce journal. L'Institut Le Point a rendu son verdict mensuel des ministres qui ont marqué le mois de juin par leurs prestations. Michel Bongongo, ministre du Budget, prend le contrôle de la manette, suivi de Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Le mois de juin s'est avéré difficile pour le membre du gouvernement, offrant un sursis aux uns et des cartons rouges aux autres. Malgré la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère, la progression de la fièvre jaune et la hausse du prix de l'Internet et de la communication, Michel Bongongo, ministre du Budget, se maintient en tête du palmarès avec 82% grâce aux effets positifs du contrôle de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, se classe deuxième avec 67% maintenu en orbite grâce à sa récente tournée européenne qui, selon le sondé, a permis au gouvernement de faire entendre sa voix sur le bien fondé du dialogue national inclusif et sa détermination à organiser l'ensemble des scrutins prévus par la Constitution. Justin Kalumba, ministre des Transports, retrouve sa sérénité à la suite des assurances du constructeur des avions bombardiers sur l'état des appareils vendus à la RDC. Son opinion est également consolidée par les nouvelles destinations ouvertes par la compagnie aérienne Congo Airways. Il est crédité de 66% et se classe en troisième position. À la quatrième place, le vice-premier ministre Willy Makiachi, avec 62%, poursuit sa percée des suites de son action pour l'emploi de jeunes. Les sondés ont apprécié sa participation à la 105e session ordinaire de l'Organisation internationale du travail à Genève. Félix Kabangenoumbi, ministre de la Santé, avec 61%, n'a jamais baissé le bras, dont sa riposte et les mesures prises contre la fièvre jaune. Il occupe la cinquième marche du podium. Bahati Lukwebo, Théophile Mbemba et Lambert Mende, respectivement ministre de l'économie avec 61%, de l'enseignement supérieur universitaire avec 57%, et des médias, avec 55%, restent visibles grâce aux actions menées le mois. Ils occupent respectivement de la 7e à la 10e place. L'Église catholique apporte sa contribution pour le social des Congolais, ce qui justifie la création de l'institution financière pour les œuvres de développement. Le lancement officiel des activités de cette société de microfinance a eu lieu ce mercredi dans la capitale congolaise. Cette institution financière a été créée dans le but de participer à l'effort national pour l'éducation financière et l'émergence de la culture de l'épargne. Coupure du ruban symbolique. Bénédiction des installations. Ces deux temps forts marquent le lancement officiel des activités de l'institution financière pour les œuvres de développement, IFOD. L'Église catholique, principal actionnaire de cette société de microfinance, lui a assigné deux missions. C'est une initiative de l'Église qui voudrait d'abord répondre à l'appel de plus petits pour essayer de servir le plus petit et aller là où il n'y a pas la présence encore des institutions financières, bancaires et des microfinances dans les coins les plus reculés du pays, dans les zones rurales. Et voudrait aussi, tant soit peu, offrir des services les plus avantageux. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, salue l'initiative de l'Église catholique. Le président de la République, à travers le gouvernement, accompagne et appuie les initiatives privées, notamment celles que nous venions de vivre avec la CINCO pour cette société de microfinance. Vous avez entendu que le gouvernement a précédé, c'est une sorte de bancarisation aussi. Et ici, l'Église catholique vous le dit,
c'est de territoire en territoire, au nombre de 150 territoires de la République démocratique du Congo. Vous voyez là l'avantage du découpage, l'avantage de la décentralisation. Même la Bible le dit dans le livre des Proverbes, que qui prête aux pauvres le fait à l'Éternel. L'institution financière pour les œuvres de développement offre plusieurs gammes de produits à sa clientèle, notamment le crédit du groupe solidaire appelé Lisanga et le crédit commercial individuel. Autre sujet dans l'actualité, la revue conjointe du portefeuille du projet du gouvernement financé par la Banque mondiale en République démocratique du Congo a eu lieu ce mercredi dans la capitale congolaise. Cette année, les travaux ont été concentrés sur le thème principal, contribution des projets du gouvernement financé par la Banque mondiale au développement et à la réduction de la pauvreté en RDC. Regardez. Comme chaque année, les experts de la Banque mondiale et ceux du gouvernement congolais se sont retrouvés. Ils ont non seulement évalué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents projets de développement, mais aussi identifié les mesures nécessaires pour faire face aux éventuels obstacles. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Amadou Moustapha Ndiaye, la revue de cette année intervient dans une conjoncture économique mondiale très difficile, marquée par la baisse du cours des matières premières qui affecte la capacité du gouvernement à financer le développement du pays. La RDC s'est toujours trouvée dans le peloton de tête en matière de mise en œuvre. Le critère que nous utilisons souvent dans la mise en œuvre des projets, c'est le taux de décaissement. Il se trouve malheureusement pour cette année que le taux de décaissement s'est abaissé par rapport aux années précédentes, ce qui est un élément qui doit être discuté dans le cadre de la revue annuelle pour permettre de voir quelles sont les voies et mesures qui doivent être prises pour justement retrouver le peloton de tête qu'a connu la RDC. La revue 2016 se propose entre autres d'analyser les coûts dus au retard des mises en vigueur de certains projets et convenir des moyens pour y remédier. À l'issue des travaux, les experts des deux parties se sont accordés sur la stratégie à mettre en place afin d'accélérer la préparation des projets. Ils ont également mis en place un plan d'action pour améliorer les portefeuilles de la Banque mondiale. Pour ses efforts considérables accomplis en matière de lutte contre les violences sexuelles, la République démocratique du Congo avait reçu d'une organisation internationale un trophée dénommé Better World. Ce mercredi à Kinshasa, ce trophée a été présenté aux autorités congolaises. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui représentait personnellement le chef de l'État Joseph Kabila et des représentants des organismes du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Regardez. Ce prix est la résultante de la vision du chef de l'État Joseph Kabila, qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles son cheval de bataille, mais aussi une priorité afin d'éradiquer ce fléau et de rétablir la dignité de la femme congolaise. Des efforts qui ont porté leurs fruits et qui ont vu la RDC recevoir le 23 mai dernier à Monaco le trophée Better World Award, le prix pour un monde meilleur. Pour la représentante de l'UNFP en RDC, c'est un jour mémorable pour célébrer les avancées enregistrées dans ce domaine, mais c'est aussi pour signifier que la lutte est loin d'être terminée. Pays post-conflit, la RDC a enregistré une baisse de 50% sur les violences sexuelles depuis 2013. Plus de 46 000 enfants ont été retirés des rangs des groupes armés, mais aussi 246 condamnations ont été prononcées par la justice militaire. Il s'agit ici non seulement de réhabiliter la République, mais de réhabiliter tout un peuple. Ce trophée témoigne aussi la détermination de Jeannine Mabunda dans la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Concernant la réparation des préjudices physiques et moraux, elle a indiqué que des actions concrètes sont menées dans ce sens. Aujourd'hui, le Sénat a une commission de violences sexuelles. C'est dire toute l'importance que même l'Assemblée nationale accorde à cette question-là. Et on peut leur faire confiance pour venir avec une proposition. Le bureau de la représentante spéciale du chef de l'État sur les violences et le recrutement d'enfants travaille en étroite collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle. À ce jour, 1000 personnes victimes de violences sont en formation à l'INPP.
Kouilou, ville de Kikwit, vient de témoigner un accueil délirant au gouverneur Godel lors de sa première entrée dans cette ville après son élection le 26 mars dernier. Le professeur qui s'est fait accompagner de son vice, Nicolas Boulungou, a profité de son séjour à Kikwit pour lancer l'épreuve d'examen d'état dans l'ensemble de la province et prendre aussi part à la prise d'armes pour sa reconnaissance auprès des sécurités basées dans cette ville. Voici l'expression d'une population qui avait besoin d'un gouverneur fruit de son émanation. La ville de Kikwit a donc réservé un accueil délirant au premier gouverneur Elie Dikwilou, le procès Godel Kinyoka, non seulement en qualité du gouverneur, mais aussi en tant que fils du terroir et descendant du grand chef coutumier, Koukou Pemba. Ah, c'est la justification d'ailleurs de ces chapeaux portés et cette canne tenue par le gouverneur Godel. Le cortège du gouverneur prend d'assaut ensuite toutes les grandes acteurs de la ville et est ovationné par la population. Une façon pour les Kikwitoises et Kikwitois de remercier l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila. Un jour après, accompagné de son vice-gouverneur, honorable Nicolas Boulokungu, le gouverneur Godel Kinyoka lance officiellement le préf d'examen d'état, édition 2015-2016. Et en a profité pour réconforter les finalistes blé-blanc à travers la visite de quelques centres d'examen. Hormis les audiences accordées, le séjour du procès Godel Kinyoka dans la ville de Kikwit s'est clôturé par une cérémonie de prise d'armes organisée par les commandants de la 11e région militaire, le général Mutupeke, assisté par les commissaires provinciaux de la police d'Ikwilou, le général Kamana Kanold, et pour la présentation du gouverneur et son vice. Soldats et Sengeli Azala disciplinés. Policiers et Sengeli Azala disciplinés. Soldats Oazangi discipline Azali soldate. Policiers Oazangi discipline Azali policier. On va se quitter avec la 52e Coupe du Congo de football. Le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, remobilise le représentant de sa province dans cette compétition avec un don complet d'équipement et une prime consistante pour leur participation à cette compétition. À travers ce don, Jacques Mbadou a investi la Veste Club d'une mission, celle de jouer le titre pour une synonyme de qualification à la Coupe de la Confédération. Journée décisive ce jeudi à la 52e Coupe du Congo de football au stade Tata Raphaël où le premier qualifié à la prochaine étape pourrait y ressortir. En match de la deuxième journée du groupe A réservé aux champions des ligues provinciales, l'affiche s'annonce aussi alléchante car au programme, deux matchs sont alignés. Un aura le goût du déjà vu. Le premier mettra aux prises les perdants de la première journée à 13h45 heure de Kinshasa. L'AS Nyuki du Nord Kivu, battu par l'AS Viti Club du Congo Central, sera en opposition avec l'AS Malolé du Kasaï Occidental, vaincu par la Renaissance du Congo de Kinshasa lors de la première journée. En deuxième heure, soit à 15h45, le choc s'annonce rude. Le Stade Tata Raphaël aura le goût du déjà vu, mais cette fois, ça ne sera pas pour la phase de poule, et plutôt pour décrocher le billet qualificatif. Le FC Renaissance du Congo aura en face l'AS Viti Club, en ce qui est considéré comme une finale dans ce groupe A. C'est au terme de cette rencontre que ce groupe pourra connaître son qualifié. Il s'est soulevé que lors de la phase des poules, les oranges et blancs de Kinshasa avaient infligé une lourde défaite au Vert et Noir de Matadi sur la marque de 4-0. Mais pour ce qui est du classement, le FC Renaissance coiffe le peloton avec 3 points plus 3, suivi de l'AS Viti Club 3 points plus 1. À la troisième place, on retrouve l'AS Nyuki 0 points moins 1 et l'AS Malolé clôture la liste avec 0 points moins 3. C'était l'essentiel de l'actualité, place au rappel de titre. Tension à l'Institut supérieur de commerce, la situation est redevenue au calme après que les étudiants aient manifesté ce mercredi contre certains changements apportés par le nouveau comité de gestion. On a fait le point avec nos reporters qui étaient sur place. Dialogue national, le Saint-Siège encourage les acteurs politiques congolais à trouver des solutions consensuelles face à la situation actuelle du pays. Appel intervenu à l'occasion des échanges entre le ministre des Affaires étrangères et le nonce apostolique. Et puis, lutte contre le violence sexuelle, la République démocratique du Congo a franchi un pas considérable et s'est vu octroyer un prix dénommé Better World. Ce trophée a été officiellement présenté aux autorités congolaises en présence des responsables et des organisations étrangères. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui.
C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres à la une de journaux et du net, c'est la revue de presse de Nathalie Zayouna. Bienvenue et bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, Floride. Votre premier titre, 18 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba. Justement, Floride, c'est en tout cas la peine retenue par la Cour pénale internationale contre Jean-Pierre Bemba. Et vous le savez, ces sujets fait couler encre et salive. La tempête de tropique d'en parler, incarcéré depuis le 20 mai 2008 et condamné hier mardi à 18 ans de prison, l'ancien vice-président du gouvernement 1+4 devra désormais passer 10 ans à la haie, puisqu'en fait Jean-Pierre Bemba a déjà passé 8 ans jour pour jour emprisonné aux Pays-Bas. Et en réaction, le cadre et militants du MLC s'expriment dans le colonne de l'avenir. Nous croyons à l'innocence de Jean-Pierre Bemba. Ces hommes et femmes pensent qu'il ne serait pas l'auteur présumé de crimes mis à sa charge. Plusieurs zones d'ombre ont échappé aux non-initiés en matière juridique qui expriment par voie de conséquence la présence d'une main noire. D'où cette interjection en appel du procès, non une fois de plus la tempête de tropique, dans les buts justement de relayer ses avocats, je cite, on compte interjeter l'appel pour obtenir la réduction de la peine afin de permettre au chairman du MLC de reprendre sa vie politique. Fin de citation. Mais alors une question s'y pose, Floride. La tempête de tropique, la référence plus justement, cette condamnation du président du MLC ne risque-t-elle pas d'éteindre brutalement sa vie et son avenir politique compromis justement au regard de prescrits de la loi congolaise? À en croire le rédacteur de cet article, quelques-uns affirment que la décision de la Cour pénale internationale de condamner Jean-Pierre Bemba noircit son casier judiciaire et qu'il ne pourra nullement se présenter à une quelconque élection au niveau du pays, à moins que les futurs dirigeants de la RDC puissent qualifier cette condamnation de politique, comme cela se dit dans le couloir du MLC et dans certaines officines de l'opposition. Cependant, le rédacteur lui-même se demande sur base de quel intérêt, cette juridiction internationale neutre poserait-elle le dossier de Jean-Pierre Bemba alors que tous les juges sont indépendants? C'est sur cette DTE, le sénateur congolais et leader du MLC ne pourra plus briguer la présidentielle de 2016, pire encore celle de 2021, à moins que sa défense obtienne en appel la réduction de la peine, ce qui paraît difficile selon les experts de questions internationales, d'où ces titres 2016, Bemba hors course. L'espoir est permis, souligne le rasoir de la prospérité en guise de conclusion. Voilà, alors on va se quitter avec le processus électoral en République démocratique du Congo. Tout à fait, et s'agissant du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante, les députés nationaux Franck Diongo, via la prospérité, dénoncent les irrégularités et les contre-vérités. Le journal souligne que c'était au siège du mouvement lumumbiste que cet élu du peuple a décrié le dit rapport déposé à 2 jours de la fin de la session ordinaire à la Chambre basse du Parlement. Pour l'homme, le rapport de la centrale électorale contient des anomalies. Pour preuve, il dit, au niveau de députés provinciaux, il y a eu 21 000 candidats. Cependant, étonnant qu'après nettoyage du fichier avec éradication de dédoublement, au lieu de baisser, le nombre de candidats est passé à 24 000. Conclusion, cela démontre du manque de sérieux, de la confiance et de la crédibilité de la CENI. Réponse du berger à la bergère, Floride, sans aller par le dos de la cuillère, la tempête de tropique pense que l'opposition congolaise, Franck Diongo de la partie, plutôt doit se battre pour se souder et récoller les différents morceaux, comme c'est le cas dans l'autre aile. Le journal cite la majorité présidentielle en lieu et place de tenir de discours accusateurs et non vérifiés. Cela fait montre de l'irresponsabilité, conclut la tempête de tropique. Voilà, merci, c'était votre revue de presse. Merci de nous en avoir donné les grandes lignes. Je vous en prie. Mais avant de nous quitter, un communiqué qui vient de nous parvenir. Il vient des forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandement général des écoles militaires porte à la connaissance du public que les épreuves du concours national d'admission aux différentes écoles militaires auront lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo du 8 au 9 juillet prochain. À cet effet, il est demandé
aux candidats volontaires non encore inscrits de se présenter aux différentes régions militaires pour leur orientation et enregistrement. Les examens des concours concernent les candidats à l'école de commandement d'état-major, à l'académie militaire session ordinaire, à l'académie militaire session spéciale, école de vol et école technique, école de santé militaire et école des sous-officiers. Les critères d'admission au concours sont spécifiques pour chaque catégorie d'école et vous seront communiqués sur place. Faites à Kinshasa le 22 juin 2016 pour le commandement du service de communication d'information des forces armées de la RDC. Voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.